Les agents du ministère des Finances sont inquiets à cause de l'annonce de la fermeture d'un certain Bon, nombre à propos, tu dînes avec nous ce soir, Néné? Ouais. Bon, donc je prévois de la viande pour... Bon, ça, c'est ta sœur. Je l'ai déjà dit 1000 fois de rentrer sans sonner, mais je ne sais pas à quoi ça sert qu'elle ait une clé. Hein. Ah, écoute, tu sais bien. De toute façon, je me suis bien élevé, donc je la connais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon gras. Ça va? Bonjour. Comment ma bête? Ça va, toi? Bon, les hommes, on y va? Oh, tantine, 2 secondes, t'as bien le temps de prendre un café? D'accord, mais si t'es en retard, on va pas venir te plaindre. Mais non, y'a rien qui presse, hein. Tu peux t'installer. Hein. D'accord. Tu veux un café? Ben, je vais bien. On pose certaines questions aux employés. Si, bon, par exemple, le bureau de Carillon, le bureau qui se trouve aussi à Agnès. S'il te plaît. Merci. Bon, allez, on y va? Bon, oui, mais dis, ce tableau-là qui est là, je peux pas le descendre à la cave, parce qu'il est toujours dans le chemin. Je voudrais bien le descendre à la cave, parce que, de toute façon, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mais il est bien mis, hein. Mais oui, mais... De toute façon, bientôt, je le finirai. Oui, mais quand? Quand je le finirai, quand je le finirai. Bon, très bien. Allez, assois-toi. L'ONU a revu à la hausse le bilan du massacre de Houla en Syrie qui a fait 108 morts, dont 49 enfants et 300 blessés. Et cette nuit, donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tu en feras ce que tu veux, non. Ça fait 10 minutes que j'attends. Mais excusez-nous, madame. Mais je travaille. Nous avons été retardés sur la route. Ben, je vous dis ça, mais je vous dis rien. Mais si c'est comme ça que vous soignez vos clients, vous les garderez pas longtemps, hein. Je vais vous ouvrir, madame. Vous en prie, entrez. Georges, tu viens? Allez, viens. Ça va aller. Bonjour, monsieur. J'aurais besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Monsieur, ça va? Monsieur? Ça va, oui. Demandez à Louise, c'est au fond du magasin. Merci du conseil. C'est exactement la couleur qu'il vous faut. Ah, en fait. C'est ça que j'avais pensé. Oui. Ah, c'est vraiment super. De rien. Merci beaucoup, madame. De rien. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Pour les ateliers de décoration, j'ai 12 candidats cet après-midi. Et pour la semaine prochaine, j'ai déjà 15 inscriptions. Hein. Oh, c'est parfait. C'est une idée géniale, tontine. Oui, mais bon, ça commence à devenir compliqué, hein, parce que j'ai besoin d'un sérieux coup de main, moi. Hein. Ah, mais si tu veux, moi, je vais t'aider. Nini, non. Moi, c'est Nico, moi. Nico. Nini, Nico, de toute façon, t'as déjà ça avec tes cours, hein. Et écoute, Louise, oui. Est-ce que tu pourrais conduire Nico à la gare aujourd'hui, justement? Oui. Parce qu'il faut que je parle avec ton frère. Et je le reprends pour aller au magasin. Ben, si tu pouvais t'occuper du magasin aussi aujourd'hui, ça m'arrangerait. J'irai te donner un coup de main après mon travail. Bon, ça va. OK. Georges, tu m'écoutes? Tu te souviens de Josiane?
Elle m'a donné l'adresse d'un thérapeute. Il paraît qu'il est très bien, un peu spécial peut-être, mais il est très bien. Et je t'ai pris un rendez-vous avec lui. Et t'espères que ça va changer quoi? Mais ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Faut essayer. De toute façon, on en reparlera plus tard. Moi, je dois aller au boulot, hein. D'accord? À tantôt. Il est toujours en retard. C'est pas possible, ça. Non, ça, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Mais cette fois, je suis décidé, je vais lui dire. Je vais lui dire, ça peut plus durer. La prochaine fois, je vais lui dire, docteur, si vous n'êtes pas à l'heure, moi, je reviens plus. Non, mais c'est vrai. Hein. Le médecin toujours en retard. Moi, je voudrais bien voir si j'étais là en retard. Qu'est-ce qu'il dirait? Mais c'est pas tout pareil, de toute façon. L'autre jour, j'étais à l'école de mes enfants pour une réunion de parents. Eh ben, vous savez quoi, le prof? Il arrive en retard, vous croyez qu'il s'est excusé? Même pas, même pas. Il faut toujours tout attendre. Les gens, ils s'en foutent de tout aujourd'hui. Non, vraiment, c'est insupportable. Alors lui, je vais pas bien. S'il peut même pas se rendre compte que je vais pas bien, ça va pas. Non, il faut que ça change. Je peux plus continuer comme ça. Monsieur Allot? Je vais prendre Monsieur Allot. Venez, Monsieur Allot. Par ici. Venez. Alors, monsieur Allot, dites-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ça va pas? Pas vraiment, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, tout. Tout, tout. Vous savez, tout, ça veut rien dire. J'ai perdu le goût de vivre. J'ai plus envie de travailler. J'ai plus envie de rien faire, quoi. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Il y a autre chose? Autre chose? Et pourquoi vous trouvez que c'est pas assez grave, ça? Ceci. Avec ceci, tout ira bien. Je vous le donne. Prenez-le. Ça en est, ça va pas vous mordre. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ça? Quand ça va pas, vous le mettez. Vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Et quoi? C'est ça, votre remède? Ben, oui. Et vous espériez quoi? Des médicaments? Ben, je sais pas, moi, un traitement. Vous savez, les médicaments, c'est surtout pour faire de l'argent aux pharmaciens. L'effet... Je me sens ridicule, moi, avec ça. Mais est-ce que j'avais l'air de me sentir ridicule?
Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui, ma petite femme? Oh, mais ça va bien, et toi aussi? Oh, très bien, très bien. Et Nico, lui, il va comment? Ça va. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette bonne odeur qu'on sent là? J'ai fait des crêpes. T'as fait des crêpes? Oui. Ah ben, j'en veux bien une. Toi, ça va l'école? Ça va, ça va. Ah ben, tant mieux. Dis, Louise, c'est déjà passé? Non, pas encore. Ah, parce que j'ai bien envie de l'accompagner au boulot aujourd'hui. C'est très bien. Je serai bien avec elle au magasin. C'est très bien. Je crois que la voilà. Ah, ben tant mieux. Bonjour. 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 Ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Et toi? Mmh, bien. Alors, ben. Ça sort bon aussi. Oui, j'ai fait des crêpes. Tantine, tu peux rester à ma place, je t'ai laissé une crêpe. Ah, c'est gentil ça. Merci. Moi, je vais chercher une. Bien. T'es en forme aujourd'hui? Oui, je suis en forme. Parce que je crois que je vais venir avec toi. Ah, bon, on ne sera pas trop deux pour le travail que j'ai pris, vieux. Ah, ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, je vais mettre un peu de confiture là-dessus. Qu'est-ce que je suis contente de te voir comme ça. Ah, ben, moi aussi. Je me sens vraiment bien, j'ai envie de travailler et tout. Je sais pas, je me sens tout différent aujourd'hui. Ça va vraiment bien. Ouais. Ah oui. C'est bien. Ah oui. À propos, le facteur est passé. Oui. Bon, bonne tes crêpes. Tiens, dans une publicité pour toi. Merci. Et ça, c'est quoi ça? On regarde ça et puis on y va. Hein. Oh non, c'est pas vrai, s'il vous plaît. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bah, c'est un contrôle fiscal. Et alors? Ta soeur a super bien tout géré, durant ton absence. Mais oui, mais il fallait que ça arrive vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui que je me sentais bien. Ben, me fais voir, enfin. Bah, tout est fait. Mais oui, mais vous vérifiez partout, ils vont regarder de tous les côtés. Déco et peinturale, bonjour. Ah, Nico, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il grève. Ah, mais j'ai un atelier qui va commencer, je ne saurais pas aller te chercher. Il y a un problème, là? Ben, en fait, Nico est à la gare et il y a grève. Et j'ai un atelier qui va commencer, moi, je ne saurais pas. Ton père va venir te chercher lui-même. Allez, à tantôt. Au revoir. Madame, monsieur, vous le savez probablement, les syndicats appellent à une grève générale des services publics ce jeudi. Mais ce matin déjà, les conducteurs de trains de notre région ont décidé d'anticiper le mouvement. Cet arrêt de travail spontané a fortement perturbé le trafic au grand dam des voyageurs surpris. C'est le nouveau régime des pensions décidé par le gouvernement qui provoque la colère des cheminots. Alors, ça a été? Il a toujours des grèves. Ouais, je sais, même moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est déjà là. Elle est déjà là? Mais oui. Oh, regarde un peu. Attends. Vas-y, courage. Hein. Ouais. Bon, je vais au magasin. Ça va? Ça va. Allez, tantôt. Eh bien, monsieur Allot. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Non? Mais oui, hein. Tout ça s'est bien passé. Oh, qu'est-ce que c'est? Et grâce à toi. Oh, super. I'm look for... Je...
Je cherche un product. Oui, Louise, il y a un problème? Je ne comprends pas ce que madame me veut. Oui, je crois qu'elle est anglaise. Yes, I am. I écoute you. Yes, thanks. I look for... Je cherche. Vous cherchez, oui. Je cherche a product. Un produit, oui. Un produit, yes. Un produit. To protéger. Un produit qui protège. Oui. La la la, quel soupir. T'as le moral dans les chaussettes. Dès que tu penses à l'avenir, ça te donne mal à la tête. C'est vrai que ça peut pas être pire. Il fait gris sur la planète. Mais si ça peut te faire plaisir, je te donne une bonne recette. Tu en feras ce que tu veux, mais tu risques d'y prendre goût. Ça déridera les grincheux, tu seras bienvenu partout. Un peu de rouge sur ton... J'ai l'impression que ce personnage n'attend qu'un petit coup de pouce pour avancer vers une vie nouvelle et pour que tout soit à nouveau possible pour lui. Oui. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a besoin d'un petit... Je sais pas... Peut-être que... Je sais pas. On va essayer pour voir. Mais vous connaissez l'auteur? Il est à vendre? Désolé, il n'est pas à vendre. Bon. Quant à l'auteur, vous l'avez devant vous. Eh bien... Bravo en tout cas, et n'arrêtez surtout pas. Merci, c'est gentil. Qu'on en rit, j'ai sûr.